Amis d'Isboxygène, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Sword of the Necromancer. Mais avant de commencer, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à l'exprimer par un like, un commentaire ou un abonnement. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. D'ailleurs, si vous voulez toujours plus de contenu, retrouvez-nous pour toute l'actu au quotidien sur isboxygène.com ou sur notre chaîne Twitch. Et précision importante, le test ainsi que la capture de gameplay ont été réalisés sur Xbox Series X. Et donc, Sword of the Necromancer est le deuxième projet du studio indépendant espagnol Grimorio of Game. Le jeu a été financé via une campagne Kickstarter sur un objectif de 15 000 euros et ils ont récolté plus de 200 000 euros. C'est une somme plutôt conséquente et il ne reste plus qu'à découvrir si cela a apporté ses fruits. Sword of the Necromancer est un action RPG doté de mécaniques roguelike. Il tire son épingle du jeu des autres concurrents via l'introduction d'une intrigue principale qui pourra donner du sens à l'aspect roguelike. Nous incarnons Tama, une jeune voleuse qui lors d'un braquage d'un temple tombe sur une prêtresse nommée Coco. Ces deux femmes se lient alors d'amitié et c'est ainsi que notre jeune voleuse deviendra la garde du corps de Coco. Nos deux protagonistes partiront en pèlerinage afin d'obtenir la sagesse nécessaire pour devenir une prêtresse accomplie. Mais lors de cette aventure, Tama faillit à sa tâche et Coco fut arrachée du monde des vivants. C'est là que notre histoire commence. Notre héroïne principale, Tama, se rend au temple de la nécromancie dans l'espoir de ressusciter Coco. Ce temple est le fruit d'une légende où un puissant magicien pourrait ramener les morts à la vie. C'est donc dans les premières minutes de jeu, qui font office de tuto, que nous découvrirons l'épée de nécromancie. Celle-ci a le pouvoir de ressusciter les monstres tombés au combat et les rallier à notre cause. Cependant, l'épée n'est pas assez chargée en pouvoir magique pour faire revenir Coco. Il nous faudra alors terrasser les boss du donjon pour accéder au nécromancien et obtenir son légendaire pouvoir. Voici donc l'intrigue du jeu qui réussira à s'étoffer au fil de l'aventure. Après chaque boss vaincu, nous aurons le droit à un flashback en cinématique de nos deux protagonistes. Cela nous permettra de mieux comprendre la relation qu'ils entretiennent, mais aussi le lien qui les unit. Concernant le gameplay, comme évoqué plus haut, le jeu est un action RPG roguelike. À chaque run effectué, nous pouvons mieux nous préparer en gardant des objets récupérés, mais aussi en montant de niveau, augmentant ainsi nos statistiques. Une des mécaniques principales du titre se traduit par le fait de ramener les monstres déchus à la vie. On pourra récupérer jusqu'à 3 monstres et les faire monter 5 fois de niveau pour les rendre plus forts. Il faudra cependant veiller à l'égard des envies puisqu'on ne peut les ramener à la vie qu'une seule fois. Nous avons également un dash plutôt rapide du style du très bon Hyper Life de Drifter qui permet de dynamiser les combats. D'autres objets bonus sont disponibles dans les donjons et ce sera à nous de choisir entre l'équipement et les monstres ressuscités. Nous ne pouvons équiper que 3 objets ou monstres en plus de l'épée de nécromancie. Ce sera donc à nous de choisir la meilleure combinaison pour affronter les différents boss du jeu. Cependant, nous arrivons ici à la limite de ce que peut nous offrir Sword of the Necromancer. Même si l'histoire reste sympathique à suivre et que le gameplay, une fois maîtrisé, est plutôt plaisant, cela n'arrivera pas à se renouveler suffisamment. La boucle de gameplay est plutôt courte et même trop courte. Après quelques runs maîtrisés, nous arrivons toujours à la même finalité, équiper tel ou tel équipement, associé ou tel à tel monstre. Finalement, le titre est plutôt convaincant, mais ne réussit pas à proposer une variété dans la boucle de gameplay. Une certaine lassitude peut rapidement arriver pour les joueurs amateurs de roguelike. Concernant la direction artistique, les visuels sont dans un très beau rendu 2D, mais comme pour le gameplay, celui-ci manque d'originalité et se répète bien trop souvent. La nostalgie des années 90 fonctionnera donc qu'un temps. En revanche, on notera que les cinématiques d'animation sont parfaitement réalisées et permet une nouvelle fois au titre de sortir du lot des roguelike classiques. Pour la partie audio, comme vous avez pu le constater sur le trailer, les musiques accompagnent très bien l'action et la découverte des niveaux. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes mélodies sur toute la durée du jeu. Le doublage VO est tout aussi bien interprété, même s'il a fait tout de même très animé japonais pour ceux qui apprécient ou pas.
Et avant de terminer, il faut noter que le titre propose un mode en coopération locale, vous permettant ainsi de jouer avec un ami. Le second personnage ne pourra cependant pas ressusciter les monstres et les ennemis ne seront pas forcément plus nombreux. L'expérience engrangée sera donc divisée en deux, équilibrant ainsi le mode en coopération pour que ça ne soit pas non plus trop facile. Et donc avant de terminer, on va aborder les points positifs. Il y a de bonnes idées de gameplay, une jolie réalisation dans la direction artistique et une histoire qui se laisse facilement suivre. Les points négatifs, la boucle de gameplay beaucoup trop courte et finalement pas si original que ça. Pour conclure, Sword of the Necromancer arrive tout de même à se démarquer des autres roguelikes, proposant une histoire intéressante à découvrir et un gameplay original dans les premières heures de jeu. Il pourra séduire plus d'un passionné du genre, mais prenez bien en compte que le titre souffre de variété et n'arrive pas assez à se renouveler. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, liker et s'abonner. Comme dit en introduction, ça aide vraiment la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube, pour toute l'actu au quotidien sur isboxygène.com et pour nos lives également sur Twitch. Voilà, allez, salut salut !